Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un cadre un petit peu spécial. On est dans une vidéo foot IRL. Et aujourd'hui on va se retrouver pour un concept les gars. C'est tout simplement le Jauge Bar Challenge. On peut appeler ça comme ça. J'ai trois invités avec moi. Stan, voilà. Noé, notre défenseur qui va être attaquant dans cette vidéo. J'aime bien les tacs. Et enfin, le meilleur pour la fin. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube des ostéopathes de Paris. On est tous les quatre aujourd'hui pour faire le challenge. Bien sûr je vais aller au cash. Les trois sont contre moi. Le principe de la jauge, c'est que si je fais un arrêt, j'ai plus 1. Si je prends un but, j'ai moins 1. Bien sûr, il faut que je fasse un arrêt, donc il faut que je touche la balle. Si la balle sort ou que ça fait une barre, un poteau, ça compte pas. Donc les gars, bah, on est parti tout de suite avec le challenge. Et bien sûr les gars, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un big pouce bleu si vous voulez d'autres vidéos comme ça, à vous abonner et à activer la petite cloche. Allez les gars, c'est parti. Les gars, du coup, pour savoir qui commence entre les trois, tout simplement, on va faire une petite séance de penalty de gagnant qui va décider qui c'est qui va tirer en premier. C'est parti. Philippe est atteint d'une maladie rare appelée la casse-couille térose. Allez voir les médecins, ils m'ont dit vous êtes casse-couille. Expliquer un peu les règles du jeu, ça va être Enzo qui est au cage, il commence à 5. Si jamais il fait un arrêt, il prend plus 1, c'est le concept de la jauge. Si jamais on lui met un but, il prend moins 1. Si lui il arrive à 10, ça veut dire qu'il fait 5 arrêts au début, mais on va lui mettre des buts. Donc s'il arrive à 10, il a gagné. Si nous on le met à 0, c'est nous on a gagné. T'es la vérité, la vraie vérité. Il est à 6 du coup, ça fait plus 1. Bon les gars, bon comme prévu, j'ai gagné forcément. C'était sûr. Bon du coup on va faire un BO3 parce que sinon la vidéo va durer 5 minutes. Voilà, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va partir pour la deuxième game. S'ils égalisent, on partira pour une troisième. Et si je gagne, j'aurai gagné la vidéo les gars. Allez, c'est parti. Oh, quasi, c'est...
4 non, il a 4 ouais, c'est CSC, c'est pas moins 2. Pitch. C'est ça, il a 4. C'est nous. Alors on va aller voir la vidéo, ça peut avoir de gros incidences. Joris, meilleur buteur, un partout. Là pour servir. Manche décisive. Oh, 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 oh
Et rebonjour, c'est le Enzo du montage. Alors je voulais juste vous dire qu'on s'est trompé au bout d'un moment dans le comptage des points, on s'est trompé dans la jauge, enfin bref. Du coup il y a un point qui a été enlevé, donc voilà, normalement on devait être un point plus haut. Bon c'est pas grave, ça change pas vraiment le cours de la vidéo, voilà, ça aurait juste pu rajouter quelques frappes, mais voilà, c'est tout les gars. Donc je vous laisse avec la fin de la vidéo, en espérant qu'elle vous a plu et qu'elle va vous plaire cette fin de vidéo. Même mené, on gagne. Attends. Même mené, on gagne. Je crois que j'ai une 42 buts. Meilleur buteur, c'est Joris. Joueur clutch. Attends. Mets ton petit, s'il te plaît. Donc voilà. Cassez-vous, c'est ma vidéo. Ok, les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, merci à vous d'être venus, les gars. Évidemment. Quand t'as un 10. On prendra une revanche, les gars. Il y aura une partie 2. Quand t'as un 10. Il y aura une partie 2. Avec les gars. Ok, partie 2. C'est bon, moi, ça me va. Allez, les gars, on fait une partie 2. Prochaine vidéo Foot IRL les gars, restez connectés, abonnez-vous, lâchez le petit like et puis surtout la petite cloche pour être notifié, rod tout 1000 abonnés les gars, je compte sur vous. Allez les gars, salut Ciao.